numérique. C'est en octobre 2017 que les bibliothèques médiathèques de Metz, accompagnées par le Livre à Metz, ont lancé le cycle de rencontres de rencontres d'auteurs de premiers romans. Et j'ai la chance d'être aujourd'hui avec Hélène Bonneau, auteure des Monologues de l'attente. Bonjour. Bonjour. Avec Mathieu Palin, auteur de Sale Gosse. Bonjour. Bonjour. Et avec Charles Zitzenstuhl, auteur de La Golfe blanche. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler des livres qui ont fait de vous des romanciers. Ce n'est pas évident de se lancer dans l'écriture d'un roman. Beaucoup d'entre nous y songent peut-être, mais vous, vous êtes allé au bout de ce projet et vous avez édité un premier roman remarqué par les bibliothèques médiathèques de Metz. Tout d'abord, bravo à vous. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Vos trois romans, nous les avons un peu, nous les avons vraiment appréciés. Et pour moi, ils sont un peu comme des microscopes dans lesquels le lecteur observe le comportement d'individus qui se débattent avec leur destin. Donc, Charles Zitzenstuhl, vous, Charles Zitzenstuhl, excusez-moi, dans votre roman La Golfe blanche, construit en courts chapitres dans lesquels la tension est palpable, vous nous faites partager le quotidien d'une famille qui subit la violence d'un père tyrannique. Ce roman se passe entre 1995 et 2001, avec quelques flashbacks. Le texte est écrit à la première personne du singulier, à travers le regard d'un enfant terrorisé par cet homme, comme les autres membres de la famille et comme le lecteur également. Dans les monologues de l'attente, Hélène Bonneau, alors je précise que vous avez déjà publié deux essais psychologiques, donc c'est vraiment votre premier roman. On suit sept personnages au début du mois de février 2018, à un moment très précis d'une journée, puisque c'est juste un petit peu avant le rendez-vous de chacun de ces personnages chez leur psychanalyste. Ils sont soit sur le chemin du rendez-vous, soit dans la salle d'attente. Et le lecteur se retrouve autour de toutes les pensées qui passent dans la tête de ces sept patients. Il y a également un fil rouge que nous laisserons au lecteur, nous leur laisserons découvrir au lecteur. Quant à vous, Mathieu Palin, le sale gosse de votre roman s'appelle Wilfried. On suit son parcours à la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Retiré bébé à une mère toxicomane, confié à un couple attentionné, passionné par le foot, il intègre la JOCR, mais un pétage de plomb et tout un concours de circonstances le ramène à la PJJ en centre éducatif fermé. Vous plongez le lecteur dans cet univers à la fois déchirant, quand même assez désabusé, et en même temps j'ai trouvé rempli d'espoir. Donc maintenant, je vous laisse parler, je vous laisse la parole. Chacun votre tour, si vous pouviez nous expliquer comment est né le projet de ce roman et comment vous avez réussi à le faire aboutir. Vous voulez bien commencer, Hélène Bonneau? Oui. Au départ, ça a commencé par une petite nouvelle. Un texte qui constitue d'ailleurs la première salle d'attente. Mais je n'avais pas un projet en tête, j'ai accompagné, je dirais comme ça, un jour. Et je l'ai laissé très longtemps dans mes tiroirs. Et un jour, j'ai retrouvé et j'ai trouvé que c'était pas mal. Et j'ai eu envie, voilà. Et voilà, j'ai écrit la deuxième, et puis c'est au fur et à mesure de l'écriture de ces petites nouvelles, en fait, que j'ai est venu l'idée que finalement il fallait tirer un fil et à partir de là construire quelque chose de littéraire, finalement, avec une fiction et puis un suspense quand même qui qui nous les sept histoires. Vraiment, il y a sept patients. Ça se passe pendant une semaine entière à
Paris au mois de février et ça raconte l'histoire de. On ne vous entend pas très bien, Madame Bonneau, on ne vous entend pas très bien. Peut-être vous rapprocher un tout petit peu du micro. Voilà. Peut-être. Oui, donc vous disiez que vous aviez construit d'abord une première nouvelle et puis vous en avez sont venues cette autre, excusez-moi, je redis, hein, vous en avez donc construit cette autre et vous avez trouvé un fil conducteur, un petit suspense pour relier tout ça. D'accord? Et le trouver un éditeur, ça a été simple? Ah non, pas du tout. Ça a été, j'imagine, pas mal de gens. Je l'ai un peu envoyé à beaucoup d'éditeurs. Et puis, j'ai. Et un jour, j'ai eu un coup de téléphone. À un moment, évidemment, on le moins. Et j'ai eu une rencontre, voilà, tout à fait intéressante avec à ce moment-là, là. L'éditrice, une des éditrices de chez Jean-Claude Latour. Et Voilà. l'éditeur, il a modifié un peu des choses que vous aviez écrites ou le texte est paru tel que vous l'aviez, vous écrit? Non, il y a eu quelques demandes de l'éditeur, forcer un peu les personnages, pour leur donner plus de caractère, plus littéraire. D'accord. Bien. Sur la même question, Mathieu Palin, vous voulez bien répondre? Comment ça s'est concrétisé? Moi, c'est un peu particulier parce que, étant journaliste, j'avais pas forcément l'ambition. Vous m'entendez bien ou ça grésille aussi? Ça va, ça grésille un peu, mais enfin, moi, je vous entends. C'est bizarre parce que j'entends que ça grésille. Mais moi, en fait, en tant que journaliste, j'avais une proximité un peu avec le milieu de l'édition parce que je travaillais dans un journal qui était un peu particulier parce qu'il était publié en librairie, qui s'appelle La Revue 21. Et donc j'avais la chance de côtoyer des gens qui me lisaient et qui en même temps éditaient des bouquins. Donc j'ai sur cette histoire de d'écriture et de difficulté à trouver un éditeur, j'ai pas eu. Finalement, pas édité parce qu'on m'a proposé d'écrire le livre. D'accord. Et comment on passe du statut, en plus ça tombe bien, parce que le festival, le salon du livre, le Livre à Metz, c'est littérature et journalisme, et vous, comment on passe de journaliste à romancier? Ben, c'est un peu par hasard, dans le sens où moi, à la base, je voulais écrire un livre qui parlait de vacances juvéniles. Le son est mauvais, non? Oui, un petit peu quand même, je dois l'avouer. C'est très bizarre. Parce qu'en fait, je m'entends moi-même du coup dans le grésillement. Normalement, il y a un technicien. Moi, je ne maîtrise rien de tout ce qui est technique. Il y a un technicien, alors c'est lui qui peut savoir. Ouais, c'est Oui. bizarre. Non, mais du coup, j'avais cette chance d'avoir quelqu'un qui m'a proposé d'écrire le livre. Après, moi, à la base, je me suis dit, je vais faire ce que je fais tout le temps, c'est-à-dire du journalisme. Et puis, en allant sur le terrain et en passant du temps avec, en l'occurrence, une équipe de la protection judiciaire de la jeunesse, je me suis rendu compte que plus le temps passait, moins j'avais envie d'écrire d'articles. Et finalement, l'idée d'un livre est née comme ça. C'est quand même pas la même temporalité et la même façon d'écrire. Vous aviez ça en tête, vous l'avez appris, comment ça s'est fait? Bah, il faut essayer pour savoir si on en est capable. Donc, je me suis dit, c'est trop bête d'écrire juste un article, donc essaye. Puis, bah, en essayant, je me suis rendu compte qu'il y avait un fil qui était possible. Comme on va voir un article, un plan, voilà, pareil. Et petit à petit, j'ai l'impression que ça prenait forme. Très bien. Sur la même question, Charles Eisenstück voulait bien répondre. Comment naît l'idée et comment le projet aboutit, le livre est édité, ce parcours?
Bonjour, bonjour à tous. Très heureux de participer en virtuel à cette réunion qui aurait dû se tenir à Metz en tant qu'Alsacien. Ça me fait très plaisir, voilà, de participer à un événement lorrain. Voilà, ça c'est le petit clin d'œil Grand du Est régional. et Voilà. les clins d'œil du Grand Est. Voilà. Écoutez, en fait, sur la genèse, je me reconnais assez dans ce que vient de dire Mathieu Palin, parce que moi j'ai commencé à écrire il y a 3 ans. Le roman vers 2017. Et en fait, j'avais passé les 4, 5 années précédentes de ma vie à écrire. Alors, c'était pas du journalisme, mais j'étais chercheur en sciences politiques. J'écrivais ma Oui. thèse de doctorat. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé, je pense, une espèce de monotonie à écrire des choses scientifiques que je trouvais assez redondantes. Et en 2017, c'était une période, j'avais fini ma soutenance, j'avais eu un changement professionnel assez important. J'ai ressenti le besoin intérieur de revenir sur mes jeunes années. C'est sorti comme ça, en quelques semaines, de façon pas vraiment préméditée. Et puis, pendant plusieurs mois, j'ai jeté sur le papier tout ce qui me venait par la tête. J'ai fait ça pendant, on va dire, 1 an. Et puis après l'été 2018, je me suis remis à l'ouvrage en partant de zéro, et en 6 mois, je suis parvenu à, voilà, à sortir cette histoire-là, parce que le roman est autobiographique, cette histoire-là qui avait hanté mon enfance, et ça a été un travail de décantation de 2 ans, je dirais. Et pour faire, on n'est pas sur du journalisme et du romancier, là on passe d'un récit autobiographique à du roman. Le travail là, vous avez aidé, oh, excusez-moi, vous avez été aidé par votre éditeur ou comment ça se fait? L'éditeur, dans mon cas, est arrivé vraiment à la fin du processus. Le D'accord. livre a été écrit seul. Et comme je vous le dis, le passage entre ce qui a été mon histoire à moi, Charles Hitzenstuhl en tant qu'individu, et ensuite ce que raconte le narrateur, qui est aussi moi, mais qui est le narrateur, donc induit une certaine distance, bien entendu, qu'il faut mettre, et c'est l'écriture qui permet cette distance. Et D'accord. cette distance est aussi mise précisément par, encore une fois, ce mot de décantation que je réutilise pour la troisième fois, parce que en avançant dans l'écriture, j'ai fait des choix. Ça, je n'en parle pas. Ça, j'en parle. Je me concentre sur tel aspect de mon enfance, sur tel aspect de tel personnage, sur tel moment particulier. Et donc, c'est bien là que se passe, qu'il y a ce passage entre l'écriture brute, le simple récit autobiographique, et le roman qui est la mise en forme littéraire. Alors, encore une question avant de vous laisser un petit peu lire vos extraits, parce que je le rappelle, c'est une rencontre lue. Alors, on le faisait quand on n'était pas en visio et on a décidé de conserver cette idée de lire un petit extrait. Mais d'abord, une question. Pour avoir reçu déjà beaucoup d'auteurs de premiers romans, et parfois, il y a un décalage entre l'idée qu'ils avaient, hein, bah, parce que, bah, comme vous venez de dire, Charles Hitzenstuhl, là, il s'est passé 3 ans, mais des fois, il y a un décalage entre l'idée que les auteurs avaient en se lançant dans l'écriture et entre le roman tel que le lecteur le lit. Est-ce que chez chacun d'entre vous, ça s'est produit? Est-ce qu'il y a des décalages ou est-ce que c'est conforme? Vous pouvez commencer, Charles Hitzenstuhl, s'il vous plaît. Il y a un décalage. Je dirais qu'il n'y a pas un décalage à 180 degrés. Et s'il y avait un décalage à 180 degrés, je pense qu'il y aurait, l'auteur se dirait, bon, il y a quelque chose que j'ai loupé ou que j'ai pas vu dans ce que j'ai écrit. Je dirais que c'est plus une différence, voilà, de quelques degrés, une dizaine de degrés. Et on se dit, effectivement, cet aspect-là du roman, pour moi, quand je l'écrivais, était extrêmement important. Et les lecteurs, de façon assez systématique, vont me parler toujours de tel chapitre, de tel personnage ou de telle scène qui les a particulièrement interpellés. Et c'est ça la magie de l'écriture et ensuite de la relation qui s'établit entre l'auteur et ses lecteurs. Et ça, c'est assez plaisant, enfin, moi, je trouve, dans la démarche de l'écriture, ce qui arrive après Oui, la publication du roman.
Ah, mais c'est prévu d'en parler, mais à la fin, ouais, c'est très chronologique. Hein. Merci. Mathieu Palin, sur la même question du décalage entre l'idée que vous aviez et ce qui est et le livre paru. Non, en fait, j'avais pas tellement d'idées très, très claires au début. Je me suis un peu laissé porter. Et en fait, en travaillant, je me suis rendu compte que le livre était en train de naître, mais j'avais pas vraiment d'idées préconçues à la base. D'accord. Le livre, une fois qu'il était fini, je me suis rendu compte que bah, ça y est, c'était fini et il s'est mis à exister, mais j'avais pas vraiment c'était pas quelque chose que je fantasmais au début. Je me disais pas, bah, il faut qu'il soit comme ci ou comme ça. Et au final, vous êtes content parce que bon, si vous partiez sur un article et puis que vous avez écrit un roman, c'est quand même une autre démarche. Ça vous a satisfait cette écriture-là, ça a été? Bah oui, c'était en fait, quand on est journaliste, on est quand même contraint par des règles immuables, les règles de raconter quand même ce qu'on voit ou ce qu'on entend, et jamais rien raconter. Là, il y a une sorte de verrou qui se pose et on a la liberté devant soi, on est un peu maître à bord, quoi. Donc ça, c'était hyper flippant au début parce que c'est quelque chose enfin, quelque chose qu'on s'interdit en général. Donc j'avais du mal à justement aller vers la fiction. Et puis petit à petit, bah, j'ai accepté d'inventer, je dirais pas ça, mais en tout cas de m'arranger avec la réalité pour en faire quelque chose qui n'était pas purement journalistique. D'accord. Hélène Bonneau, sur la même question, le décalage entre l'idée de départ et le livre au final. C'est vrai qu'après ma rencontre l'éditrice, les choses ont pris une toute autre tournure parce que, comme je suis analyste, quand j'écris des cas, par exemple, la clinique, certaines façons de présenter les choses très rigoureuses. Là, après, là, et donc j'avais tendance un peu à faire des un peu des cliniques. Et la rencontre avec l'éditrice, elle m'a donné, voilà, elle m'a donné d'autres points de vue. Et j'ai pu inventer davantage, j'ai pu créer vraiment des personnages. Dans tous les cas, d'avoir. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez mieux que je ne vous entends, parce que je n'entends pas très bien vous, je ne vous entends pas très bien, Hélène Bonneau et Mathieu Palin, souvent pas. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends. Ouais. Je vous entends moi aussi, mais c'est vrai que quand je parle, j'entends les grésillements, mais très 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 fort. Donc, Là, plus du tout, par contre, pour vous. là, ça va, là. Ouais. Bon, moi, je vais plus bouger, je En vais fait, là. et vous, Charles? Alors, je suis désolée, c'est la Oui, partie moi, j'entends technique bien. qui nous. Ouais, merci. C'est la partie technique qui nous rejoint là. Donc, on va se lancer quand même dans la lecture. Est-ce que vous voulez bien commencer, Mathieu? Allons-y. Avec. Ouais, ça va? Voilà. Donc, Mathieu va lire. Alors, juste pour, si vous voulez dire un petit mot pour recontextualiser, mais de toute façon, à l'issue de la lecture, on parlera plus, hein, Mathieu Palin. Je vous en prie. En fait, le livre est donc traduit donc raconte l'histoire de Wilfried qui a à ce moment-là a 15 ans et il se met donc comme vous l'avez dit tout à l'heure un peu à péter les plombs et toutes les questions qui lui viennent sont des questions qui viennent à tout le monde à l'adolescence, qui sont des questions de qui suis-je, qui sont mes parents, quelle est mon histoire en fait et donc bon, en gros, il pète les plombs et il sombre assez rapidement dans la délinquance. Et il se retrouve finalement à connaître les éducateurs du ministère de la Justice, qui sont des éducateurs de la protection judiciaire, protection de la judiciaire de la jeunesse. Et il rencontre quelqu'un qui est là depuis des années, qui s'appelle Marc.
Donc là, ce que je vais lire, c'est un passage qui parle de Marc et qui raconte un peu comment il a évolué tout au fil de ces années-là. Marc avait failli quitter la PJJ. C'était en 2010, quand la France dissertait sur l'impunité des mineurs, le retour du couvre-feu et les ados d'1m80 qu'on devait pouvoir juger comme des adultes. La question revenait immanquablement et elle le mettait hors de lui. Si on ne les met pas en prison à la 5e condamnation, on en fait quoi? Selon Roman, la télé-réalité nous avait fait entrer dans une ère d'exclusion. Le concept de la Starac, c'est la story et plus d'aube, c'est d'exclure ceux qui vivent parmi nous. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec un gamin qui dérange? On l'exclut de quoi? Puis on l'exclut du collège. Et quand il arrive chez nous avec son étiquette de délinquant, on nous dit « Enfermez-le, il faut préserver la société ». Un jour, en séminaire, Roman avait demandé le micro et vidé son sac devant les huiles du ministère. « Je me fous de vos chiffres et de votre connaissance. J'aimerais juste que vous me laissiez travailler. » Là, l'humain, on le gomme. On se déplace moins chez les gens, on prend moins de renseignements, on construit plus de relations avec les parents, on fait tout trop vite et on prend le risque de faire des conneries. Je suis tout à fait capable de pondre une évaluation en deux rendez-vous. Je vois les failles, la problématique, je mets trois mots savants dans le rapport et ça passe. Ok, mais je ne veux pas faire ça. Si c'est ça le taf, je me casse. Marc en avait parlé avec sa femme, avec Lou qui est entré au lycée et avec ceux qui pouvaient supporter des confidences sur sa dépression. Laurence, l'assistante sociale, l'avait délaissé d'un point en lui rappelant que leur métier consistait à gérer la frustration. Quand je suis arrivé à la PJJ, je voulais changer le monde. Aujourd'hui, j'essaye de ne pas l'abîmer. Ton métier, c'est semer sans jamais récolter. Tu suis des mômes qui disparaissent dans la nature, d'autres les remplacent et tu dois te remettre à soi. Ce n'est pas pour les problématiques qui veulent des résultats. Marc passe un concours de directeur. Il se voyait comme une sorte de cancérologue. Les gens mouraient autour de lui, mais il continuait, coûte que coûte, car de temps en temps, il en sauvait un. Comme on a entendu, là, il y a cette forme d'écriture qui n'est pas toujours évidente parce que vous écrivez un roman un peu comme on le raconterait. Hein. C'est le vocabulaire que vous utilisez, c'est vraiment le phrasé des gens qui parlent. Ça, quand même, c'est quand même un postulat de départ, je pense, mais j'imagine. Et c'est facile d'écrire comme on parle. C'est facile, je sais pas. Non, mais c'était votre travail. En fait, c'était pas un postulat de départ, justement. Ah, d'accord. J'avais envie de raconter une histoire qui m'était venue, finalement, qui m'était tombée dessus, parce que j'étais en reportage, j'ai rencontré ces éducateurs, ces enfants. Et c'est un métier qui est très humain. Ils sont pas derrière un ordinateur, ils sont dans la rue avec les gamins, à l'école, et donc c'est un métier dans lequel on est très dans l'oralité, en fait. Et là, justement, les héros sont des éducateurs. Alors, je n'ai pas tout lu, hein, mais c'est rare. Hein, un personnage central, le héros d'un livre qui soit un éducateur, j'en connais pas beaucoup. Ça, c'est bien. Enfin, je trouve que de remettre comme ça des héros du quotidien, ça, c'était quand même voulu, quoi. Oui, parce que, encore une fois, quand je les ai rencontrés, ces éducateurs, j'ai été, mine de rien, impressionné par le travail qui consiste à sauver, je n'ai pas trop de mots, mais c'est quand même ça, à sauver des enfants qui ne sont pas les vôtres. Et ça, en plus, c'est un salaire de misère en général, c'est assez mal payé. Donc oui, il y avait une certaine forme d'admiration. Mais ça, c'est très bien ressenti. Et alors, personnellement, je trouve que c'est une des forces de votre roman, c'est là où le lecteur est happé et veut vraiment savoir comment ça se passe, parce que justement, vos personnages, vous les avez vraiment, on les connaît, quoi. On a l'impression de les connaître. Je ne peux pas savoir si vous les connaissez en vrai ou si c'est tout imaginé, mais de réussir à concrétiser comme ça une personne, à la rendre réelle, ça c'est quand même un postulat, enfin, ça c'est quand même une idée de départ qui était forte. Est-ce que vous aviez voulu leur rendre hommage? Je ne me rends pas compte. Hein. En fait, d'un point de vue journalistique,
de si je veux raconter une histoire, de pouvoir la donner à voir. Donc, c'est un peu comme si j'avais une caméra sur l'épaule et que je me baladais avec ces lecteurs. Il faut que je sois capable de montrer ça, même si les lecteurs sont en cours. Et donc, pour pouvoir faire ça, il faut essayer de bien décrire. En tout cas, de bien saisir les nuances, la complexité des relations justement entre ces gamins et ces éducateurs. Donc, si vous l'avez lu comme ça, tant mieux, parce que c'est ce que j'ai voulu. C'est l'ambition, elle n'est pas tellement dans l'idée de dénoncer quelque chose, mais l'idée, elle est plutôt de ne pas abîmer le rêve pendant 6 mois d'être à la charge ensuite de bien rendre compte de ce que j'ai eu. Et de pas faire de ces personnages-là des caricatures. Mais vous dites que vous voulez, enfin, vous vouliez pas réinventer ou donner des, enfin, juger. Mais nous, lecteurs, on referme le livre et il reste cette phrase que vous avez lue là, que je vous ai demandé de lire. C'est et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de tous ces enfants qui dérangent quoi? Ça, c'est vraiment la question que pose, enfin, c'est une question essentielle parce que là, on a l'impression d'une spirale un peu négative et que tout repose sur quelques éducateurs concernés. Et puis, bon, ben, le système n'aide pas vraiment. C'est comme ça que je ressens votre livre, votre roman. Il y a quand même l'attachement qu'on a au personnage, mais il y a quand même toute cette question de fond. Et quand même, vous nous laissez comme ça un petit peu, c'est quand même pas facile, quoi, pour le lecteur, une fois le livre lu, d'avoir cette question en tête. En même temps, c'est un livre qui raconte une histoire et c'est pas un livre qui se prétend. C'est pas un essai de résoudre le problème. Moi, je suis sorti de là avec finalement presque autant de questions que j'en avais en y arrivant. C'est-à-dire que j'ai pas la solution pour remettre des gamins qui sombrent rapidement dans la délinquance, des décrocheurs scolaires, des scolarisés, pour que ça aille mieux. Que j'ai vu moi sur le terrain, je pense que ça c'est assez inutile. Il faut des repères dans sa vie. Et quand on n'a pas de parents, et quand on a un peu perdu pied, parfois le repère il vient du monde extérieur, il vient de quelqu'un qui fait une irruption dans votre vie, à un moment où vous n'en avez pas du tout envie d'ailleurs, et ces personnes en général représentent la sanction, représentent l'État ou le système, appelé sous tout un tas de formes, et parfois il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe, c'est-à-dire que ce fameux gamin qui avait dit d'une rencontre humaine, il se met à changer. Après, c'est du cas par cas. Il y a une réussite et puis 25 échecs. Donc, j'ai pas du tout la solution. Je pense que Oui. personne ne veut vraiment. La solution, elle est quand même dans ce que vous venez de dire et puis dans ce qui se lit, c'est que la solution, elle est quand même derrière, c'est des gens, quoi. C'est des. Bien sûr. Voilà. On va être obligé de passer à quelqu'un d'autre. Hein, et voilà. Donc, Hélène Bonneau, est-ce que vous voulez bien. On va faire un essai avec le son. Est-ce que vous voulez bien lire l'extrait que je vous avais demandé de lire, s'il vous plaît? Et puis, on rebondira aussi après. Hein. Salle d'attente 5. Je suis devant le porche de l'immeuble de la rue Auguste-Comte. Je sonne une lettre dans l'entrée du bâtiment. Il est 15 heures. De nombreuses traces de pas marquent le sol encore glissant sous l'effet de la neige de ce matin. Un ascenseur me transporte jusqu'au troisième étage. Les portes qui s'ouvrent et se ferment péniblement grincent et le système daté des années 50. J'appuie sur Une dame vient m'ouvrir. L'entrée est sombre, un vaste couloir plongé dans une pénombre tranquille, comme si tout était endormi et silencieux. J'ai l'impression d'être dans un appartement d'ombres et reflets qui, tout à coup, me semble un lieu, ou du moins énigmatique. La dame me fait entrer dans la salle d'attente. J'y suis.
Comment ai-je pu autoriser à prendre rendez-vous avec lui, cet analyste de renom? À vrai dire, j'étais pourtant très emballée à l'idée de le rencontrer. Un impératif s'est insinué dans mon esprit, se faisant de plus en plus surmoïque, ne me lâchant pas. Son nom s'imposait comme une vérité, une urgence vitale. D'avoir réussi à l'appeler, quelque chose allait forcément se produire. Au téléphone, quand je lui ai dit Blanchet, et mon désir de le rencontrer pour entreprendre une analyse avec lui, il m'a semblé d'accepter proche, comme s'il me connaissait déjà. Il m'a proposé d'emblée de venir ce prochain samedi. J'étais surprise, car peu d'analystes travaillent ce jour-là. Je comprendrai plus tard qu'il reçoit ainsi les nouvelles demandes, sans discuter horaire, planning, etc. Une façon de favoriser la rencontre, le samedi étant un jour où la plupart du temps chacun est disponible. Cette simplicité, alors que tout est si compliqué dans ma tête, m'a apaisée. Quelque chose était possible, s'ouvrait. Le samedi, pour comme le jour, eh bien le jour du analyste, il devrait y avoir le jour du matin. Rêver donne au désir, du moins au désir de savoir. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, si les gens ont entendu, mais en fait, là, la dernière phrase, vous parlez du jour du rêve. Alors ça, j'ai adoré cette notion de jour du rêve. Ça vous est venu comment, cette idée de jour du rêve, quoi? De définir dans la semaine un jour du rêve. Je ne vais pas vous répondre. C'est... La plupart des choses me viennent. Mais toujours est-il que dans votre roman, le rêve, l'évasion, l'imagination, l'auto-suggestion sont très présents. Et ça, c'est une idée. Est-ce que quand on réfléchit tout seul, est-ce qu'on est tout seul à réfléchir, on a ça en tête, s'évader? Non, pas forcément. Je pense que les personnages que j'ai voulu, dont je parle, ils sont plutôt emprisonnés. Donc, effectivement, c'est intéressant de dire qu'il y a l'évasion. Oui. Ils ressentent plutôt une certaine difficulté avec la vie, la vie telle qu'ils la vivent, et surtout telle qu'ils la ressentent. Donc, ce sont des analysants. Donc, ce sont des personnes qui s'interrogent sur leur problématique. Mm-hmm. Et donc, voilà, c'est plutôt... Oui, mais tous les personnages en parlent à un moment donné. Hein. C'est pour ça que je. Alors, vous nous laissez quand même un peu sur une petite frustration, parce que nous, ce qu'on a envie, c'est que cette rencontre, elle se fasse en vrai. Et hop, vous arrêtez vos chapitres pile au moment de la rencontre. C'est un moment important, l'avant-séance de psychanalyse. Je pense que c'est là que se passent en fait les éléments qui vont être annoncés pendant la séance. C'est un peu comme une cocotte. Et dans la salle d'attente, on peut par les conseils et ensuite davantage en ordre. Parce que les séances ne sont pas forcément longues et il faut construire sa pensée. C'est un petit peu entrer en résonance avec soi et faire avec les conflits qui nous assaillent. Alors, vous avez parlé de fil rouge, un peu de suspense. Hein. On ne va pas en dire plus parce que ce serait bien que les lecteurs le découvrent, les personnes qui ne l'ont pas lu. Mais alors, vous êtes un petit peu espiègle comme ça et puis vous nous faites quand même, le lecteur ne s'ennuie pas parce que bon, bah, donc il y a ce fil rouge à suspense. Mais tous les personnages, vous nous donnez des indices qu'au fil de son monologue, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est une dame ou un monsieur. Et on ne sait pas non plus pourquoi il est là, parce que j'imagine que s'ils sont en consultation, il y a une pathologie derrière. Ça, c'était de mettre un peu de suspense, ça, c'était voulu à la base ou c'est venu au fil du temps de l'écriture?
Je pense que c'était déjà à la base, mais ça n'a fait, moi, je ne le ressens pas forcément sur ce mode-là du film. Je pense que c'est pour des personnages, évidemment, ils sont en train d'essayer de construire leur être, hein, essayer de comprendre les choses qui ne vont pas dans leur vie. Et parfois c'est un peu angoissant, parfois c'est rigolo, parfois c'est. Ben voilà, je pense à la fille qui n'arrive jamais chez son analyste, toujours en retard par exemple. Elle est assez rigolote, elle a du mal à saisir vraiment l'enjeu avec une analyse. En même temps, elle essaie de réfléchir à tout ça. Voilà. Oui, mais ça, c'est très réussi, hein, parce que ce sont 7 portraits, mais 7 portraits très variés qui font qu'on peut plus ou moins, avec des préoccupations, comme vous venez de dire, des interrogations qui sont un petit peu communes à beaucoup d'entre nous. Ça, c'est ces portraits variés, ils sont très intéressants, comme je disais. Mais bon, après, c'est un petit jeu de lecteur, quoi, de se dire, alors ça va être une fille ou un garçon, et à quel moment il va y avoir l'indice qui me permettra de trouver ou… Pourquoi est-ce qu'il vient et tout ça. Bon, là, c'est bien, ça nous permet un petit peu, en tant que lecteur, de s'amuser un peu avec ce que vous nous proposez, c'est sympa. Non, c'était pas voulu, ça, donc, du coup. Non. Je sais pas si tout le monde l'a lu comme moi, après, je suis une lectrice parmi d'autres. Oui, bah, j'ai pas, enfin, non, c'est pas trop. C'est un peu comme on est dans une séance d'analyse, on sait pas forcément ce qu'on dit. Je pense qu'on n'est pas maître, on n'a pas une volonté forcément déjà là. Mais c'est bien ces petites introspections, on est vraiment dans la tête de chacun de vos personnages, ça quand même, c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir finalement répondre aux questions des points d'analyse. L'idée que c'est quelque chose de très intellectuel, voilà, compliqué, etc. Et là, on se rend compte finalement, c'est chacun avec son problème. Oui, très bien. Alors, Charles Zitzenstuhl, est-ce que vous voulez bien lire l'extrait que je vous ai demandé de lire, s'il vous plaît? Puis après, pareil, on rebondira un petit peu ensemble sur votre roman. Alors. La caissière joviale s'exclama avec un accent alsacien. « Il est joli, votre Manella. » Mon père rit. C'était un rire forcé. On sentait de l'ironie dans son rire. De quoi était-il surpris? Qu'on dise du bien de son fils? Qu'on le trouve mignon? Il fallait en tout cas qu'il se force de rire. Le père et le fils ensemble, il était heureux de se montrer avec son fils, aimable, attentif, prévoyant. Il multipliait les petits mots d'affection. Il me tapotait la tête. Il se penchait vers moi en me demandant si j'avais besoin de quelque chose. « Tu veux quelque chose? Tu as besoin de quelque chose ?» Je le regardais avec étonnement, incapable de comprendre pourquoi il me posait cette question, pourquoi il avait un ton si doux. Je savais que dès qu'il serait de retour à la maison, la porte fermée, il jetterait le paquet par terre et il crierait. Pour le déjeuner, il prépara des spaghettis à la bolognaise. C'était lui qui préparait généralement le repas. Il disait que les plats de ma mère étaient dégueulasses. Il le disait devant ma petite sœur et moi. Dès qu'un plat fait par ma mère arrivait, il disait « dégueulasse ». Ma mère le prenait, le posait sur la table, il disait « dégueulasse ». Il rejetait le plat de la main et il disait « dégueulasse ». Il aimait le répéter devant ses deux enfants pour humilier sa femme. Son plaisir à table était d'humilier ma mère. Via Essen, il était l'heure de manger. Dehors, il pleuvait toujours. Mon père éteignit la hotte, la radio et exigea le silence. Il servit une portion de spaghetti à chacun. Nous commençâmes à manger. Mon père n'aimait pas les discussions à table, raconter sa journée ou partager des commérages sur les voisins, très peu pour lui. Il fallait manger en silence, se concentrer sur son plat et faire le moins de bruit possible avec sa bouche et ses couverts. Il faisait la police à table. « Mange la bouche fermée, tiens tes couverts correctement, tiens-toi à droite. » Il ne disait pas grand-chose de plus. Il parlait peu de lui, encore moins de nous. J'aspirais bruyamment un spaghetti pendu à ma bouche. Il jeta ses couverts et tapa du poing sur la table. « On ne fait pas de bruit quand on mange. Tiens-toi droite !» Il réfléchit quelques instants,
attrapa brutalement le haut de mon pull, me redressa et poussa ma chaise vers l'avant. Il la poussa si fort que ma poitrine cogna la table. Le déjeuner reprit. Ma mère parla de son école. Elle évoqua un projet pédagogique avec une collègue. Je la regardais, puis mon père. Je baissai ma tête vers l'assiette et plongeai ma langue dans les spaghettis. « Arrête, Charles, je t'en prie, » me dit ma mère. Je remarquai qu'elle venait de jeter un regard inquiet à mon père. Il posa ses couverts, glissa son bras vers l'arrière et me frappa violemment la nuque du plat de la main en disant « Hundescheißdreck ». Pendant un instant, je perdis la vue. Il me frappa à nouveau la nuque. Combien de fois allait-il me frapper encore? Ma mère me demanda d'arrêter de faire l'idiot. Je balbutiai quelques mots. Mon père me coupa. « Ferme ta gueule, espèce de grande gueule. Tu dois toujours faire tes Schweinerei. » Ma mère lui dit de se calmer avec moi. Mais il continua. « J'en ai ras-le-bol de cette grande gueule. Il me tape sur le système. Il m'énerve. » Il durcissait encore plus les consonnes de son accent allemand quand il s'énervait. J'essayais de finir mon assiette. Ma main tremblait. J'étais incapable de porter correctement la fourchette à ma bouche. Sous la table à ma gauche, je voyais son pied remuer dans la Birkenstock. Je repliais mes coudes, de peur de frôler le sien et de déclencher une nouvelle réaction. Il se tut, recommença à manger. Ma mère fit de même, mes mains tremblaient toujours. Dans le silence de la cuisine, on n'entendait que le bruit des couverts et de la mastication. Il continuait de remuer son pied. J'espérais qu'il se calmerait. Donc, vous nous l'avez dit tout à l'heure lors de votre présentation, c'est un roman autobiographique. Il y a l'utilisation du « je ». D'ailleurs, le héros s'appelle Charles. Est-ce que ça vous a quand même traversé… est-ce que vous avez quand même, à un moment donné, pensé renommer, rebaptiser l'enfant, vous éloigner, vous affranchir? Est-ce qu'à un moment donné, ça vous est venu ou jamais? Oui, j'ai songé quelques instants, mais j'ai très vite fait le choix d'écrire à la première personne et que le narrateur s'appelait Charles. Comme moi, c'était, je pense, plus simple dans le processus d'écriture, premier roman. Je pense que c'est plus difficile d'écrire en créant un nouveau personnage. Ça aurait été encore plus difficile en parlant à la troisième personne. Enfin, en tout cas, c'était assez utilitariste en réalité comme choix. C'était plus simple et plus fluide pour mon premier roman de garder le jeu et le charme. C'est simple, c'est étrange que vous parliez de simplicité parce que quand j'ai refermé le livre et avec les personnes qui l'ont lu, là, quand j'en discute, c'est ce que nous, on pensait l'inverse, quoi. On pensait que ça devait être compliqué, ça. Ce retour sur des... Voilà. Oui, non. D'accord. Là, vous avez lu un extrait, je vous ai demandé de lire un extrait dans lequel le héros, enfin, le personnage Charles et son père sont en ville. Et c'est quand même souvent un huis clos assez pesant que vous décrivez. Donc, comme je disais, c'est des phrases courtes, des chapitres courts. Est-ce que toute la partie, un peu le style, il vient aussi de là, du fait que ce soit court et cinglant comme les phrases que prononce le père, ou comment est-ce que vous avez voulu le fait que ce soit court comme ça, est-ce que ça c'était voulu, quoi? Excusez-moi. Oui, ça fait partie du projet du roman. Oui, je voulais restituer ce huis clos, comme vous dites bien. Cette brutalité, cette violence qui pouvait se déclencher à n'importe quel moment, qui pouvait durer 5 secondes comme 5 heures, et donc cette espèce de hasard qui perle la vie du jeune garçon et de sa famille. Il ne sait jamais quand est-ce que la foudre va s'abattre. Et effectivement, les phrases courtes, le vocabulaire assez simple. Je pense aussi l'utilisation du jeu et les chapitres courts qui se succèdent. Tout ça a été pensé. Donc j'ai été happée par les trois romans. Ils font partie des premiers romans que nous avons beaucoup appréciés ici à Metz. Mais alors le vôtre, j'ai eu envie personnellement de les finir tous les trois assez rapidement. Bon, le vôtre quand même. C'est dur, quoi. Chaque page, il y a certaines pages, je ne voulais pas les tourner pour pas voir ce qui se passait après. Vous aviez conscience que ce serait difficile pour les lecteurs de lire ça ou pas? Oui, ça j'en avais conscience. Et puis
je vais faire une petite révélation, c'est que je pense en réalité que le roman est en dessous de la réalité. Et on a toujours le sentiment en littérature que la littérature enjolive les choses, qu'elle les exagère. C'est même parfois les conseils hein, qu'on vous donne quand on écrit. On dit, voilà, pour bien te faire comprendre, il faut un peu que tu exagères, il faut un peu que tu en rajoutes, il faut que tu noircisses le trait, il faut que tu passes au stabilo-boss pour être bien sûr que l'idée que tu veux véhiculer sera reçue par le lecteur. Et d'autant plus, là, dans la société, je dirais, actuelle, voilà, où l'attention du lecteur est peut-être un peu moindre du fait des réseaux sociaux, etc. Et qu'on lit peut-être un peu moins aussi. Et je pense hein, que dans ce roman-là, je n'ai pas réussi à restituer la totalité de la violence que moi j'ai subie et vécue à titre personnel. Donc je sais et j'ai su quand le livre allait être publié que bien entendu il y a des passages qui seraient durs à lire et ça des lecteurs me l'ont dit. Je pense, voilà, hélas, que c'était en fait encore un peu un cran en dessous pour bien saisir le caractère assez totalitaire de la violence que j'ai, que moi j'ai subie étant plus jeune. Ben, si vous voulez, je vous dis ça parce qu'en fait, je vous parlais de huis clos et mis à part, à un moment donné, il y a la police qui intervient. On a l'impression que les choses se savent, mais qu'il n'y a rien qui peut déclencher. Et donc, on a l'impression, en tant que lecteur, d'être un peu les seuls témoins de ce qui vous est arrivé, quoi. Bon, il y a aussi l'intervention de votre oncle. Et ça, quand j'ai refermé le livre, ça ajoute, je trouve, à la cruauté et à la violence de ce que vous avez, de ce que vous racontez, quoi. Le fait que nous, lecteurs, on soit un peu les seuls témoins et on est encore moins puissants. Enfin, on est aussi impuissant que tous les autres, quoi. Bah, c'est malheureusement ce qui doit arriver dans 9 cas, ce qui doit arriver 9 cas, 9 fois sur 10 dans ce genre de violence familiale ou intrafamiliale, c'est que les victimes se sentent seules, démunies, incomprises, pas aidées, pas forcément pour de mauvaises raisons d'ailleurs. Hein. Souvent aussi parce que la personne qui inflige les violences manipule, sait se cacher, a une double personnalité. Et donc, effectivement, le huis clos fait partie de quelque chose que je voulais restituer dans le roman. Mmh. Oui, oui. Parce que c'est qu'on vit, hélas, dans ce genre de situation. Parce qu'en fait, c'est un enfant qui raconte, mais bon, jamais il évoque ses camarades de classe, ses jeux et tout ça, quoi. Donc là, on comprend bien qu'il est tout seul. Et alors, donc j'ai lu votre roman plusieurs fois pour préparer, donc pour au mois d'avril, et puis donc je l'ai repris maintenant avec tous les problèmes sanitaires qu'on connaît. Et là, à la deuxième lecture, enfin là, la lecture plus récente, j'ai presque, je sais pas, compris une tentative d'explication de cette violence. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Bah, du coup, ça m'intéresserait que vous me fassiez part de votre thèse. Non, mais je vous dis, quand j'ai relu, parce que quand vous écrivez un peu l'origine, comment vos parents se sont rencontrés et tout, et je me suis demandé si ça, c'était pas une tentative d'explication, de donner un sens à tout ce que vous viviez, à toute cette dureté, parce que à chaque fois que votre père s'adresse à l'un d'entre vous, ça n'est jamais, les mots sont jamais trop durs et trop méchants, quoi. Et je me disais, alors qu'il y avait eu un avant qui était joyeux, visiblement. Donc, est-ce que vous n'avez pas essayé de trouver une explication ou Je dirais que j'ai jeté quelques pistes, mais je n'ai pas la réponse. Et je n'ai pas la réponse, d'ailleurs, à titre individuel. Hein. Là, je parle d'abord de moi, de ce qui s'est passé dans ces années-là avec mon père, exactement pourquoi est-ce qu'il était comme ça et pourquoi il y a eu cet enchaînement assez terrible d'événements. Est-ce qu'il est possible de trouver une explication? Je n'en sais rien. Lui, le sait-il? Je n'en sais rien. J'ai jeté voilà, quelques tentatives d'explication. Et d'ailleurs, le fait que l'origine de ces violences reste difficile, je pense, à expliquer,
amplifie encore hein, le caractère destructeur de ce qu'on vit, parce qu'on se dit tout ça n'est pas rationnel, d'où ça vient, pourquoi, c'est la question qu'on se pose sans cesse. Donc, chacun d'entre vous a dit un peu la part d'autobiographie, plus certains plus que d'autres. Ce que je constate dans tous les romans, dans vos trois romans, c'est que vraiment, ça sent le vécu. Hein. Donc, Hélène Bonneau, vous disiez, ce sont un peu vos patients, enfin, des rencontres que vous avez avec vos patients. Mathieu Palin, vous êtes allé sur le terrain. Vous, Charles Zitzenstuhl, c'est votre vie. Donc, pour revenir un peu à ce thème d'héroïque, est-ce que c'est héroïque de se raconter dans une fiction? Est-ce que c'est héroïque de raconter sa vie dans une fiction? Vous pouvez, Charles, si vous voulez bien, c'est héroïque de parler de soi dans un livre? Non, moi j'utiliserai pas ce mot, je pense que c'est pas héroïque. C'est difficile. Mm. Ouais, c'est vrai que c'est difficile, mais... peut-être que la difficulté, l'héroïsme vient d'avoir réussi à passer cette difficulté, quoi. Moi, j'arrive pas à utiliser ce mot-là. Voilà, je le laisse. On va laisser parler les autres, mais cette question, elle vient du fait que c'était normalement, si on devait se voir en vrai, c'était la question à laquelle il aurait fallu répondre tous les quatre ensemble au salon du livre. Donc je vous la pose malgré tout. Mathieu Palin, c'est héroïque de se raconter ou de raconter sa vie dans une œuvre de fiction? Moi, je n'ai pas raconté ma vie, j'ai raconté celle des autres. Donc, c'est là où c'est pas héroïque non plus, mais là où c'est un peu plus délicat, on va dire. C'est notamment, je raconte finalement un peu de l'histoire de mon père dans ce livre, qui lui, pas violent, mais il était, comment dire, un peu taciturne. En fait, il racontait pas beaucoup de choses personnelles. Et donc, il a été travaillé à la pendant des années. Sans que nous, ses enfants, on en sache grand-chose. Donc, finalement, on travaille un peu d'enquête. En ce moment, j'allais écrire un roman. Je l'ai interviewé lui comme un sujet de travail, un sujet d'enquête journalistique. Et à la fin, ça donne quelque chose qui peut s'acheter partout. C'est violent pour la personne qui se retrouve sujet d'un auteur. Et mon père, je sais que pour lui de recevoir le livre et de découvrir que ce qu'il m'a dit finalement était publié noir sur blanc dans un bouquin. Et ça, je pense, rien à voir avec l'héroïsme, mais c'est quelque chose qui est une, ouais, que je dois prendre en compte. En tout cas, c'est un vrai enjeu quand on écrit un bouquin sur les gens, parce qu'on se retrouve justement, tout à l'heure je parlais d'une grande liberté qui se offre à nous, c'est aussi une grande liberté de laisser, sachant que les gens ne se voient jamais exactement comme les autres les voient, donc il y a toujours l'idée qu'on va raconter quelque chose de définitif sur quelqu'un, et lui ne se voit probablement pas de cette manière-là. Donc, c'est dans cet aspect-là en tout cas, que je trouve qu'il y a je dirais pas encore un peu à l'héroïsme, mais il y a une responsabilité de l'auteur quand même à dépeindre justement les autres. Hélène Bonneau, la même question? Oui, enfin, héros, évidemment, c'est pas un terme qui est spontanément dans ma bouche non plus, mais je pourrais dire quand même que chaque sujet est le héros de son destin, et que dans chaque nouvelle, au sujet, on peut inventer le côté héroïque de s'affronter à ce qui est en jeu dans son histoire, dans sa famille et dans sa vie. C'est-à-dire les ressources. Donc, oui, c'est une forme d'héroïsme de pouvoir écrire. Chacun est. Quand on fait une analyse, on écrit quelque chose de son inconscient. Et là aussi,
résultat de ça. Après, je voulais dire simplement, ce ne sont pas des patients qui... mais ce sont des patients avant tout. Il n'y a pas de... Oui, 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 excusez-moi. Oui, oui. Il n'y a pas de vrais patients. C'est pas des... Non, non. C'est... Ah, oui. Voilà. Et dans le fond, dans chacun, à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a des... il y a des traits de moi, ou il y a des traits de moi, enfin, bon, voilà, il y a des... Alors, il y a une chose singulière dans vos trois romans, c'est qu'ils sont vraiment très précis. Il y a beaucoup de précisions. Alors, il y a tout d'abord une précision géographique. Vous, Hélène Bonneau, ça se passe à Paris. Paris est quasiment un des personnages du roman. Hein. On sait exactement où vous êtes dans Paris, par où la personne passe, par quel quartier, quelle place. Donc là, c'est très précis géographiquement. Chez vous trois, hein, Mathieu Palin, il y a tous les déplacements que font les éducateurs, où ils vivent, où se trouvent les centres, les centres dans lesquels sont les jeunes. Voilà, donc des grandes. Pareil pour vous, Charles Zitzenstuhl. On a les rues de Célestat, les lieux en Alsace, la piscine de Ribeauvillet. On peut retrouver quasiment les adresses. Donc il y a des précisions géographiques, mais il y a aussi des grandes précisions. Excusez-moi, j'ai perdu le fil de mon histoire. Il y a des précisions sur. Je trouve plus mon texte. Il y a des précisions géographie et le temps. Excusez-moi. Il y a beaucoup de précisions sur le temps. Et c'était quoi l'intérêt de toutes ces précisions là? Ça fait quoi? C'était obligé? C'était pourquoi? Vous pouvez commencer, Hélène. Je pense que c'est un peu, enfin, je l'ai pensé comme un peu de trois unités, le temps, le lieu, l'action dans la construction du livre. Ça ajoute une sorte de concentrer dans la fiction. Voilà, c'est comme ça se passe en très peu de temps. Et puis j'en avais besoin par rapport aux faits divers qui courent tout le long du personnage sur lequel il s'interroge. Donc c'était nécessaire. D'accord. Mathieu Palin, un mot sur la précision, les besoins de précision? Je pense que ça fait partie de ce qui permet au lecteur de rentrer dans une histoire. Ça fait... moi, je pars du principe que Rhys Orantis, le lecteur, il ne connaît pas forcément la ville. Et particulièrement sur les questions, c'est une ville de banlieue. Donc, si je dis que c'est la banlieue, forcément, le lecteur a un milliard de clichés qui vont venir dans la tête et va lire la histoire avec une certaine atmosphère, un certain environnement qui n'est pas forcément correspond pas forcément à la réalité. Donc, c'est important pour moi d'ancrer le lecteur dans quelque chose qui est assez précis, parce que la précision permettra de coller à quelque chose qui s'approche pas forcément de la vérité, mais de la réalité. Et le temps, c'est la même chose. Si je veux parler de la jeunesse aujourd'hui, il faut que j'ancre ça dans une certaine temporalité. Oui, d'autant que vous, votre livre, il commence hein, par une date. Hein. Oui. Il commence en 2001 et comme je veux faire grandir Wilfried au fil du livre et que le lecteur puisse m'accompagner, comme je ne vais pas non plus raconter ça jour après jour, il faut que je sois capable de faire des ellipses. Donc, par souci de le lecteur, je mets des repères. Très bien. Et quant à vous, Charles Zitzenstuhl, toute cette précision, ce besoin de précision, c'est important également? Oui, c'était important. Moi, je dirais il y a trois raisons. La première, c'est restituer un univers. J'aime beaucoup, à titre personnel, les auteurs voilà, qui sont très précis dans le cadre spatio-temporel. Et ce n'est pas nouveau. Hein. Alors, on a les auteurs contemporains, Houellebecq est l'archétype de ça, mais même Thomas Mann. Hein, il y a un siècle, est toujours très précis, donne des noms d'endroits, de lieux, de rues. Enfin,
La montagne magique, moi, m'avait beaucoup frappé par la précision des choses. Donc, ce n'est pas du tout un phénomène littéraire contemporain que de croire qu'il faut être précis. C'est, voilà, c'est quelque chose de, voilà, de plus ancien. Moi, j'aime beaucoup. La deuxième, c'est que je voulais un peu donner à voir de l'Alsace dans la littérature française. Moi, je trouve que l'Alsace est dans la littérature française, en fait, assez peu présente. Et j'avais eu l'occasion d'avoir cette discussion avec mes éditeurs, avec d'autres personnes. Et une fois qu'on le dit, effectivement, on se dit oui. C'est-à-dire, on est toujours très habitué, notamment dans la littérature 19e, à avoir Paris, la Normandie. Il y a des régions qui sont plus présentes que d'autres hein, dans la littérature française. Le sud de la France, bien entendu, le Midi aussi très présent. Et l'Est, l'Alsace, en réalité, assez peu. Donc là, il y avait une petite œuvre militante, serait un peu le fort, mais en tout cas, de faire entrer aussi là cet univers de cette petite région frontalière, enfin, coincée entre les Vosges et le Rhin, que j'ai toujours voilà, un peu regretté de ne pas assez voir quand je lisais. Et la troisième, elle est que je trouve que ça aide aussi à écrire. Hein. Mais là aussi, c'est probablement parce que j'étais dans un roman autobiographique, donc il me fallait des prises un peu, hein, comme à l'escalade, des prises pour pouvoir gravir le mur petit à petit. Et c'est vrai que de restituer des dates précises, des rues, des noms de marques, donc des souvenirs très précis qu'on a en tête, permet de gagner du temps sur ça et d'approfondir ce qui va être plus compliqué, ce qui va être la psychologie notamment des personnages et la construction de toute l'œuvre. Très bien. Encore une dernière question, parce que ça fait déjà une heure qu'on discute, c'est sympa, mais ça passe. Donc, vous l'évoquiez, hein, Charles, tout à l'heure, votre vie, le roman a eu sa vie. Hein, alors, attention, c'est l'anniversaire de la sortie du livre de Madame Bonneau, de Hélène Bonneau, hein, puisque votre livre est paru il y a pile un an, le 6 novembre 2019. Vous, Mathieu Palin, votre livre est paru le 21 août 2019 et vous, Charles Zitzenstuhl, le 9 janvier 2020. Donc, vos livres, déjà, la première question, ce serait, ça fait quoi de laisser échapper un peu ce livre qu'on a eu pendant un petit temps. Et ça fait quoi aussi quand il rencontre son public et quand le public vous retourne un peu comme je viens de le faire, ses idées, ses critiques, ce qui se passe sur les, enfin, ce qu'ils disent de votre livre en général, ça va, la vie du roman comme ça, vous avez un mot à dire là-dessus? Vous pouvez commencer, Charles, s'il vous plaît. Bah, c'est un grand bonheur. Honnêtement, ouais. Moi, depuis le 9 janvier 2020, et donc quand le livre s'est retrouvé chez des libraires, ça a vraiment été un sentiment de très grande joie. Bon, moi, j'ai eu la malchance d'avoir le confinement qui est arrivé deux mois après, donc ça a un peu, suspendu les choses. Je ne vais pas dire arrêté, mais suspendu les choses. Mais il a vécu deux mois de vraie vie. C'est-à-dire en librairie, quelques dédicaces, quelques échanges. Puis il y a eu le premier grand confinement. Et je ne pensais pas, pour le coup, que l'exercice qui arrivait après le roman pouvait procurer autant de satisfaction et de joie. Et puis ce qui est assez bien, c'est qu'on rencontre des lecteurs et des gens que l'on n'aurait pas rencontré dans un cadre autre, que ce soit le cadre amical, le cadre professionnel. Et ça, c'est, je trouve, hein, comme auteur, une expérience assez unique. Mathieu ? Oui, mais c'est vrai. C'est la même chose pour moi. Tout le livre est sorti en étant en première et c'est donc un peu particulier parce que c'est une espèce de grosse machine qui se met en place. J'ai fait plus de 50 rencontres en 3 mois. J'avais l'impression d'être en campagne électorale. Je serrais des mains toute la journée. Forcément, on rencontre des lecteurs qui nous touchent parce que on écrit ce livre dans le processus d'écriture. On
on est quand même très seul devant son ordinateur. Et à la fin, l'objet existe. Non seulement il est palpable, mais il existe réellement. Il se passe dans l'humain, on discute. Et ça c'est super. Donc, c'est pour que je n'avais pas imaginé grand chose avant de le faire, mais maintenant que je connais, je ne sais pas comment c'est. Hélène ? Oui, moi, c'est une grande joie, c'est une grande satisfaction et peut-être aussi un peu de nostalgie. Finalement, je réalisais avec ce premier roman un rêve. Jeune fille. Je vous ai dit qu'il y avait du rêve hein, dans votre. Voilà, c'est ça, je vais le dire. Ça, c'est vrai, c'est un rêve que j'avais. Une petite enfant. Et voilà, c'est arrivé. C'est bien. Alors, ça y est, moi j'ai terminé. Est-ce que vous voulez, comme il n'y a pas de monde en face de nous, on peut peut-être, si vous voulez dire encore un dernier mot dans nos au revoir. Moi, en tout cas, je vous remercie, c'était très agréable. Je vous remercie d'abord pour ce moment là qu'on vient de passer ensemble, mais aussi surtout pour avoir écrit trois premiers romans très importants. Merci encore. Mais vous pouvez, soit parce que je dis au revoir que vous devez aussi, vous pouvez dire au revoir chacun votre tour comme vous avez envie. Hein. Bon, merci, c'est dommage de ne pas voir en vrai. Oui. Mais on s'est vu en vrai, j'étais venue au Salon du Livre, le livre sur la place. Oui, c'est vrai. c'est pas grave. Ensemble, je veux dire, de faire une rencontre, c'est vrai que c'est toujours mieux de faire en vrai et de discuter des livres puis pour aller les avoir aussi. Mais j'espère que ce sera parti au mieux. Mais oui. Hélène ou Charles, oui. Vous vouliez dire quelque chose? Je suis très contente de vous avoir rencontré. C'est que par vidéo quand même. Je souhaite. Et puis, d'autres que j'ai beaucoup aimé leurs livres, surtout l'histoire de Charles m'a particulièrement. Frappé. Et c'est vrai qu'il a su nous faire sentir l'oppression et l'angoisse d'un petit enfant face à un père aussi perturbé et malade. Charles, un mot pour nous quitter? Merci à Hélène. Et puis merci à vous, merci au festival pour Livre à Metz pour l'organisation. Et puis je voulais profiter aussi de ce dernier mot pour vraiment remercier les gens qui me lisent depuis janvier dernier. Et je pense que je n'avais pas encore eu l'occasion de le faire. C'est assez exceptionnel et c'est vraiment très touchant. Et alors peut-être que certains nous écoutent là en ce moment. Mais vraiment, du fond du cœur, merci. Et tous les messages, les emails, les gens qui envoient des réactions également sur les réseaux sociaux. C'est assez incroyable d'ailleurs de voir cette espèce de couple entre le livre écrit et les réseaux sociaux qui est assez contre-intuitif, mais qui, je trouve, est vraiment très intéressant. Vraiment, merci à toutes et tous. Alors, bien sûr, moi, je ne vais pas vous laisser comme ça. Hein. Je vous attends pour votre deuxième. À bientôt en tout cas alors à bientôt aussi. En vrai ou même comme ça, c'était sympa malgré tout. Au revoir en tout cas et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.